Bonsoir les filles, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur ma page Nini Stamp, je vous attends pour un petit live improvisé ce soir, j'espère que vous serez au rendez-vous. Alors ce soir je vous propose de réaliser une petite carte incolore, donc vous allez m'aider à choisir la couleur que vous voulez qu'on fasse. C'est une petite carte que j'ai glissée dans mes clubs Incolor que je vous présente ce soir. Une technique très simple et à la portée de tout le monde, comme j'aime bien partager en général. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je n'ai prévenu personne. J'ai dit allez hop, je fais un petit live ce soir. Puisque demain je serai en atelier, je ne pourrai pas me connecter demain soir. À mon avis, ça ne sera pas possible. Donc, ce soir, vous voyez ici la couleur semis de trèfle. Et moi, je vais vous demander d'en choisir une autre parmi les autres couleurs, les cinq autres couleurs. Alors, en attendant que vous vous connectiez, je vais me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Virginie Julien, je suis démonstratrice du coup pour la marque Stampin' Up. Et je vous accueille le mercredi. D'habitude à 20h sur ma page Nini Stamp pour un live, et eh bien ce soir ce sera à le mardi exceptionnellement. Donc je suis démo Stampin' Up, ça veut dire que je vous accueille chez moi aussi ou chez vous pour des ateliers, pour découvrir le matériel Stampin' Up et savoir l'utiliser. Si bien sûr j'en suis capable. Peut-être, peut-être pas. Non, je plaisante, bien sûr. Je présente ce que je connais en général. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Ce soir, on va travailler avec un petit peu de techniques qui vont être vraiment une patouille propre, comme on appelle ça. On ne va pas se salir les mains, vous allez voir, ça va être super. Et on va utiliser les Incolor. Le papier paillette, du coup, Incolor qui est là, les strass, l'encre, le papier, vous allez voir, on va tout utiliser, ça va être génial. Alors, pour commencer, eh bien, on va préparer une base de cartes. Alors, ma base de cartes, elle change aussi par rapport à d'habitude. Elle va être de 7 sur 14, 29, oh là là, je recommence. Elle va être de 7 sur 29,7. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, on garde la feuille à 4 en entier, mais on fait 7 de large. Oula, ça va être compliqué ce soir. Donc n'hésitez pas à partager, à faire venir les copines, les petites dames que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas, bien au contraire, ça permet de me faire un petit peu connaître. Alors, pour ce soir, je vais utiliser du coup le lot pensée affectueuse avec cette petite branchette là, ce petit feuillage, et puis divers autres sets de tampons que je vous ferai voir au fur et à mesure. Donc il va falloir choisir entre trois couleurs. Mais si je suis toute seule, eh bien ça va être vite fait, hein. Je vais choisir moi-même. Il va y avoir pétunia, jolie rose et pêche précieuse. Donc si vous arrivez, n'hésitez pas à me dire la couleur que vous préférez parmi ces trois-là. Alors, ce soir, pour faire la technique, on va avoir besoin de doigts mousse. Hop, on va avoir besoin également de l'encreur, bien sûr. Voilà, les trois encreurs. Et on va avoir besoin d'un bloc acrylique. Et oui, c'est ça la technique ce soir. Donc, coucou les filles, faites-moi un petit coucou si vous arrivez. Dites-moi si tout va bien pour vous de votre côté, que je puisse démarrer. Je pense que le retour est bon. Donc, normalement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, je me suis préparé déjà des bases blanches. Mes bases blanches font 14,3 sur 6,5. J'en ai préparé plusieurs, comme ça on va pouvoir voir un petit peu. Et on va pouvoir commencer. Alors, eh bien écoutez, moi je vais commencer, je vais garder pêche précieuse. Et comme ça, ah, coucou Martine, comment vas-tu? Ouais, ça fait plaisir, je suis pas toute seule. Youhou! Alors peut-être veux-tu choisir la couleur? J'allais mettre pêche, vu que je croyais être toute seule, mais peux-tu me dire celle que tu préfères entre pétunia, jolie rose et pêche? Dis-moi un petit peu. Et dis-moi aussi quelle couleur as-tu eue dans ton club Incolor le mois dernier avec cette petite carte. Quelle couleur as-tu eue, toi, dans ton lot? Alors, je vais me préparer. Hop, hop, hop. Ça va là. Voilà, normalement, on est pas mal.
Alors, dis-moi, quelle couleur as-tu eue? Je ne me rappelle plus. Où est passé mon bloc acrylique? Bon, eh bien écoutez, on est parti. Je vais prendre pêche. Allez, on verra. Ah, t'as eu le vert. Donc le vert champ, pareil que celui-ci. Le semis de trèfle. Ou le seau du plongeoir. Il y a deux verts. Il y en a un qui fait plus vert bleu. L'autre fait vraiment vert pour le feuillage. Donc ça, je mets de côté, c'est ma base de cartes. Je vais partir avec ma petite base blanche, qui est sale. Donc hop, je vais en prendre une autre d'ailleurs. Voilà. Et je vais aller mettre de l'encre. Alors, on pourrait aller mettre de l'encre comme ça avec son bloc. Le souci, c'est que ça va nous faire des marques avec l'entourage de notre bloc. Donc, si on fait ça et ça, on a, vous voyez, sur le bloc ici, une marque toute droite. Et du coup, on est embêté. Et justement, ça a commencé comme ça, ma petite carte. C'est que quand j'ai fait ça, eh bien, je me suis dit, ça va pas le faire. Donc, j'ai voulu atténuer avec un petit doigt mousse. Et c'est là que j'ai pu enlever ces petites traces d'encreur. Ah, tu as eu seau du plongeoir, ok. Donc là, on va partir du coup sur pêche précieuse. Donc là, j'atténue comme ça avec mon doigt mousse, je tape dessus comme ça et je vais pouvoir aller faire mon fond. Alors, pour vous montrer, eh bien du coup, je vais faire ça. Et ah, il y a ma gazelle à la porte, ma gazelle qui a eu son CAP aujourd'hui. Coucou ma chérie. Donc, gros bisous, félicitations. Je suis très très fière de toi. Donc, très fière de ma gazelle. À tout à l'heure. Petit aparté. Hop, désolée les filles, mais je pouvais pas ne pas lui faire un petit bisou. Je cherche, j'ai un petit poil là qui m'embête. Non, ben, il a dû disparaître. Hop. Attendez, j'ai un poil qui s'est mis quelque part. Je voudrais juste l'enlever. Allez, il est là. Sinon, il va nous faire une petite traînée aussi sur le. Ah, voilà. Impeccable. Donc là, l'avantage du doigt mousse va nous enlever les traces. Donc là, je. Ah bah oui, mais là, du coup, j'en ai mis partout. Oups, je regarde, ça me paraît pas mal. Et du coup, je vais pouvoir maintenant aller mettre mon bloc tout simplement sur la carte. Et j'appuie très fort. Faut pas hésiter. Voilà. Et voilà. Voilà comment j'obtiens ce fond. Alors en fait, vous n'aurez jamais deux fonds pareils. C'est ça qui est vraiment chouette. Là, il m'en reste un petit peu. Je pourrais rajouter de l'encre et continuer. Hein. Mais hop, si j'enlève et que je refais avec une autre couleur, par exemple, jolie rose. Le plus foncé, Pétunia, a eu un résultat totalement différent par rapport aux autres. Alors, vous voyez, quand je fais ça, déjà, le premier, on voit qu'il y a une marque. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Le premier, on voit la marque sur le bloc. Donc, le but du doigt mousse, c'est vraiment qu'on va atténuer cette marque. Et on va aller. Je vais mettre comme ça, vous allez peut-être mieux voir le résultat. Là, ça nous fait une marque ici. Bah, du coup, on va pouvoir aller l'atténuer en tapotant comme ça. Alors, il y en a d'autres où j'ai été carrément chercher l'encre avec le doigt mousse dans l'encreur et puis je l'ai mis sur le bloc. Donc là, le but n'est pas de pousser, il est vraiment de tapoter pour éviter les marques, en fait, tout simplement. Hop. Donc là, ça me paraît pas mal. On va pouvoir prendre un autre. Et pareil, on essaye de centrer un maximum. On pose et on appuie. Et là, il va être plus foncé. On voit un petit peu les marques de doigts mousse.
Celui-ci est un petit peu plus foncé. Et là, vu que celui, le pétunia est très foncé, je vais changer et je vais aller directement, par contre, cette fois-ci, le chercher, chercher l'encre avec le doigt mousse. Alors, là, il est vraiment foncé. Vous voyez, là, je vais aller comme ça directement. Je vais remettre ça en dessous, vous voyez les petites traces que ça fait là. Donc là après, je continue sans aller chercher d'encre. Légèrement, j'appuie pas trop fort pour pas faire trop de marques. Oups. Voilà. Et je vais aller faire la même chose. Alors, dites-moi en commentaire quelle est votre couleur Incolor préférée cette année, qui est arrivée cette année au mois de mai. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez. Martine, quelle est la première que tu aimes le plus, 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 plus? Et voilà, vous voyez celui-là, il n'a pas fait de trou comme les autres. Il a eu un résultat complètement différent. Voilà. Donc, on a les deux possibilités. Ou soit on met l'encre et on va faire un petit peu jouer avec ses doigts mousse, ou soit on va mettre directement. Alors, le pétunia, à chaque fois, m'a fait des résultats plus foncés. Je pense qu'il est plus, comme il est plus pigmenté, il couvre bien la surface. Donc, voilà un petit peu. Maintenant, peut-être que vous allez réussir à me choisir une des trois couleurs pour me dire laquelle je fais entièrement avec vous ce soir. Dites-moi. Quelle carte voulez-vous que je fasse? Pétunia, rose ou pêche? Alors, ça j'enlève. Là, je vais aller tamponner le feuillage qui est ici, que j'ai déjà préparé sur un bloc avec du memento. Bon, bah vous êtes timide ce soir, vous n'avez pas envie de me répondre. Hop. Alors, j'ai mis et là, je vais aller positionner mon feuillage. Oups, en voilà une. Ah, coucou Christine, ça va ? Depuis le temps. Bienvenue. Toi, tu aimes la rose. C'est ta couleur préférée? Ou c'est la carte que tu veux que je fasse? Toc. Parce que là, du coup, je suis partie sur les trois, hein, puisque personne ne me répond. Vous aurez trois petites cartes. Elles sont tellement rapides à faire en même temps. C'est pas bien grave. Hop, je continue avec la rose, justement. Vous avez vu un peu ces résultats? Oh, j'adore. Ensuite, je vais aller tamponner mon petit message. Donc ici, j'ai mis pour toi. Je pense que vous voyez la carte tout à fait. Hop, je mets ça. Ah bah, on va peut-être pas fermer le noir du coup. Les deux. D'accord. Merci. Merci de ta réponse. Alors, je vais me mettre un peu plus par là pour pouvoir tamponner. Je vais mettre le pour toi. Alors, le pour toi, je l'ai eu dans, hop, dans onglet à souhait. J'ai pris le pour toi qui est là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce lot comme il est super, mais dans les onglets, vous avez toutes les petites, les petits mots ici que vous allez pouvoir mettre dans la partie blanche. Et vous avez aussi ce super, moi, j'aime beaucoup le petit cœur avec les petits pointillés. On va pouvoir le mettre là pour pouvoir aller mettre un petit texte ici, ici. C'est vraiment super sympa. Donc, pour toi vient de ce set de tampons. Onglet à souhait. Vous pouvez avoir ou soit la perfo avec ou soit les onglets. Vous avez les poinçons, pardon. Vous avez le choix entre deux possibilités selon votre budget et selon ce que vous préférez. Et c'est ça qui est chouette. Alors, le pour toi. Toc. On va le mettre ici. Toc. Ah, il est loupé celui-là. Super. J'ai même pas regardé ce que je faisais. Je regarde autre chose. Alors là, c'est chaud. C'est chaud de rattraper. Je me mets bien au-dessus. Mmh.
C'est pas dit. Hein? Ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est pas mal. Donc, le pour toi est fait. Il va nous rester à faire les tâches. Donc, sur la carte, je vous ai mis des tâches toutes fines. Toutes fines et des taches noires et des taches, vous voyez un petit peu, qui brillent avec le Wink of Stella. Et à l'intérieur de la carte, je vais avoir le même motif à faire et puis cette petite étiquette, la vie est belle et plus belle en couleur, mille merci. Donc, on va s'attaquer à tout ça. Je vais d'abord nettoyer mon tampon. Hop. Et du coup, je vous montre comment j'ai fait. Ah, alors, je vais aller chercher l'intérieur des cartes, les cartons. Pour l'instant, je mets ça de côté, je finirai tout à l'heure. Et je vais prendre les deux cartons, donc 29,7 sur 7. Hop. J'ai fait ça dans les trois couleurs. Du coup, vous avez vu, j'avais prévu le coup, peut-être que je ferai les trois. Alors c'est des cartes vraiment très rapides à faire, hein. Quand on manque d'inspiration, il n'y a pas de souci. Alors je vais commencer par pêche et en fait je vais aller faire l'intérieur comme ça, juste tamponner, c'est tout. Voilà. Coucou Christine, comment vas-tu? Merci pour ton partage des petites cartes commodes. Ainsi qu'à Martine et Françoise qui avaient partagé déjà aussi. Merci les filles. Ça fait super plaisir de voir vos créations. J'adore ça. C'est super important de partager comme ça, je trouve. C'est vraiment chouette. Merci, merci. Hop, je fais celle-ci. Et puis, en pétunia. Là, du coup, vous aurez vu trois couleurs d'un coup. Celles qui ne savent pas encore la couleur qu'elles préfèrent, là, ça va être plus facile à dire. Hop, voilà. Donc ça, c'était l'intérieur. À l'intérieur, il va nous rester à faire, du coup, la petite étiquette qui est ici, qu'on va pouvoir faire après. Hop. Alors, pour ça, c'est fini. L'étiquette. Je vais, vu que mes encreurs sont sorties au pire, eh bien je vais prendre du papier blanc. J'en avais tout à l'heure. Alors là, j'ai prévu de prendre l'étiquette qui est dans le lot étiquette d'amour. Alors c'est pareil, c'est un lot pareil que onglet à souhait. C'est un lot où vous avez la possibilité de prendre ou soit une perfo, ou soit des onglets, ou soit les deux, des poinçons, pardon, je vais y arriver, ou soit les deux, c'est ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'adore les perfos, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai pris la perfo également pour celui-ci. Donc là, j'ai pris le contour qui est ici, qui va avec l'étiquette. Et je l'ai mis là. Je le cherchais. Et je vais pouvoir aller faire ma petite étiquette. Donc, je vais commencer par la plus claire, pêche. Hop. Alors, tout simplement, je vais aller. Hop. Donc, c'est un résine. J'ai pas pris le comment. Le tapis mousse, puisque c'est un contour et c'est assez. Si on écrase les contours quand c'est tout fin comme ça, le résultat est beaucoup moins joli. Donc, j'ai pris sans tapis mousse. Là, je vais pouvoir la faire dans ce sens-là. Je vais faire joli rose. Toc. Et je vais le laisser ouvert aussi pour le merci. Et là, je vais faire pétunia. Alors, je suis à l'heure du repas, hein, c'est pour ça, je pense aussi qu'il n'y a pas grand monde. Et j'avais prévenu personne. Donc, pétunia, hop. C'est génial, non, de faire les contours. J'aime pas, il n'est pas beau. J'en refais un. C'est génial d'avoir les contours de la même couleur, moi, je trouve. Les contours qui vont avec les perfos, c'est quelque chose que j'aime énormément. Alors, après ça, je vais pouvoir prendre le sentiment.
Alors, le sentiment que j'ai pris ce soir, pour aller à l'intérieur de la carte, donc je répète, la vie est plus belle en couleur, mille merci, eh bien, il vient d'un nouveau set de tampons qui est dans les exclusivités en ligne et que je vous ai présenté la semaine dernière, Feuille en métamorphose. J'aime beaucoup, on a l'impression que ça a été écrit à la machine à écrire. Donc moi, c'est celui-ci que j'ai pris et mille merci qui est du coup une autre police d'écriture et ça, j'adore ça. Alors, je les ai déjà préparés. Donc, la vie est plus belle en couleur, je vais la faire en pavé de galet. Hop, voilà. Et je vais aller sur celui-ci. Sur celui-ci. Oh, mon Dieu. Oh, ben voilà, voilà. Et ben, ça sera pas Pétunia, la carte de ce soir. Bravo, Virginie. Et oui, 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 ça arrive, des choses comme ça. C'est pas grave, ce n'est que du papier. Hop, et le mille merci, du coup, je vais reprendre les couleurs de la carte à chaque fois. Donc là, le petit pêche. Toux, en voilà une. Je le nettoie. Jolie rose. Et Pétunia. Voilà. Pétunia qui est très foncée. Et vous avez vu, eh ben, en fait, cette étiquette, elle n'est pas belle non plus parce que je n'ai pas enlevé le surplus d'encre. Vous savez, je vous montre à chaque fois comment je fais. Eh bien là, je ne l'ai pas fait. Et ce n'est pas terrible, terrible. Alors, quand j'ai un trop plein d'encre, comment je fais? Eh bien, je prends une règle en plastique. Petite règle d'écolier, là, que j'ai récupérée dans les chambres de mes enfants. Hop, j'appuie sur mon encreur. Du coup, il redevient un peu plus pâle. J'ai entré l'encre à l'intérieur, du coup. Et là, si je m'en sers, le résultat est plus joli, normalement. Alors que je me mette devant vous, quand même. Ça va être mieux. Voilà. Et déjà là, il y avait une petite peluche. Voilà. Et le gris pour le message du haut. Voilà. Faites ça avec vos encreurs qui sont très ancrés. Si jamais vous en avez qui débordent, qui sont vraiment très très ancrés, hein, eh bien vous posez carrément une feuille de sopalin pour bien absorber ce qu'il y a vraiment en trop. De toute façon, s'il y en a beaucoup trop, vous ne pourrez pas vous en servir et ça sera pas un, il n'y aura pas un beau résultat. Là, quand j'appuie avec ma règle sur l'encreur, vous voyez, il est un peu plus clair. Mais l'encre, elle va revenir en fait, elle va remonter d'elle-même. Donc, n'hésitez pas à faire ça quand vos encreurs sont très chargés. C'est souvent les plus foncés, hein, moi j'ai remarqué. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous verrez, votre résultat sera beaucoup mieux. Surtout avec les tampons en résine. C'est souvent avec cela qu'on a le plus de soucis quand il y a trop d'encre dans nos encreurs. Moi, j'ai remarqué ça. Alors, ça c'est bon. Hop, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre un outil magique qui s'appelle une perforatrice. Hop. Et ben non, ça va être dans ce sens-là. Alors l'avantage, eh bien, c'est qu'on va centrer et on va pouvoir faire plein d'étiquettes en un rien de temps. Toc. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, vous voyez la différence du mille merci entre celui qui était très ancré ici, qui n'est pas joli du tout. Celui-ci, on voit un peu mieux les lettres quand même. Hein. L'autre était vraiment très très moche. Hop. Alors un tampon en résine, c'est pareil, quand vous l'avez pour les premières utilisations, y a un petit produit dessus qui a été mis pendant la fabrication. Pensez à le gommer avec une gomme, pensez à gommer vos tampons, à les utiliser aussi sur un papier brouillon avant d'aller vraiment sur votre projet. Vous verrez que il a besoin en fait d'être un peu utilisé avant pour avoir un résultat optimum. Alors ça c'est bon. Donc ça, c'est ce qui va aller à l'intérieur.
à l'intérieur de la carte à chaque fois. Si j'enlève mes petits repères. Donc ça, je vais les mettre tout à l'heure. Bon, bah celle-ci, il faut que je la refasse, hein. Du coup, pas le choix. Ça va aller de côté aussi. Et je vais pouvoir reprendre ça. Je vais quand même vous montrer les trois ensemble, c'est pas grave. Comment je fais? Je vais enlever ça d'à côté de moi. Je vais me mettre un petit brouillon pour éviter de mettre de l'encre partout. Et là, je vais reprendre mon feutre Stampin' White, le noir. C'est le seul qui est à vendre au détail. Alors, si je me mets comme ça va peut-être être mieux. Et je vais pouvoir aller faire des taches. Hop, avec le bouchon, toujours le même principe. Je mets la mine dans mon bouchon et j'appuie d'un coup sec. Hop. Pas trop non plus, mais un petit peu. Voilà. En général, je m'en mets sur mon ongle. Mais c'est pas grave. Et après, je vais prendre mon Wink of Stella. J'apporte un petit peu d'encre en appuyant dessus. Voilà. Je prends un blend. C'est pour taper dessus. En fait, c'est mon Wink of Stella qui va aller taper dessus. Et je vais aller lui apporter des petites gouttes de paillettes. Je crois que j'ai fait la même chose la semaine dernière. Serait-ce parce que j'aime cette technique? Serait-ce parce que j'aime apporter des paillettes? Peut-être. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, quand c'est comme ça, on apporte un peu plus. Et justement, avec les paillettes, mais je le ferai tout à l'heure, je vais en rajouter un petit peu sur les fleurs. Ça, c'était la technique pour faire les petits brillants, les petites taches. Alors, je vous le répète assez souvent, malheureusement. Peut-être pour vous, j'en sais rien, mais moi, j'adore ça. Donc, je continue. Et là, on va aller s'occuper des petits papillons. Alors, les petits papillons, ce sont des papiers paillettes que l'on a dans la collection Incolor. Alors, attention à vos yeux, ça risque de briller avec la lumière. Et on les a, du coup, dans les 5 couleurs. Ils sont magnifiques. Je les ai déjà découpés comme ça. C'est déjà prêt. Donc, on va pouvoir aller mettre ça sur les cartes et coller nos fonds de cartes pour continuer. Donc, alors, il me faut le rose, il me faut le jaune. J'enlève ce qu'il y a dans les petits trous. Et il me faut le pétunia. Ben non, le pétunia, je ne vais pas le coller, mais vous l'avez vu. Hein. Donc, du coup, hop, un petit papillon comme ça, ça apporte un petit peu de peps à la carte. Et il me faudra également les petits bling bling, comme on appelle ça, les petits diamants de la collection. Alors, je me rassois. Alors, est-ce que vous aviez déjà fait cette technique là de vous servir de votre bloc acrylique pour faire un fond? C'est vraiment sympa. Alors, je l'ai déjà fait avec de l'aquarelle également. Je l'avais fait en live d'ailleurs. Hop. J'enlève le soin. Je fais attention parce que mes taches ne sont pas sèches. J'aurais pu les faire avant de faire mes étiquettes. Ça, c'est vrai aussi. Je vais juste les sécher un peu. Le temps de mettre les étiquettes intermédiaires. Donc, j'avais déjà fait effectivement cette technique en aquarelle. Donc le bloc acrylique peut nous servir également à autre chose que de tenir notre tampon. Donc là, en fait, j'avais mis juste, oh là, juste l'étiquette comme ceci. Il faut juste que je me mette en trajectoire pour voir si je suis droite. Hop, en voilà une. Donc, si c'est une technique que vous pensez qui pourrait plaire aux copines, n'hésitez pas à partager, les filles. Ça peut toujours servir à quelqu'un qui débute, par exemple, à quelqu'un qui cherche des idées de cartes rapides. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je fais un coucou au passage à toutes celles qui me regarderont en replay sur YouTube. D'ailleurs, je remercie toutes les nouvelles abonnées qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait super plaisir. C'est vraiment cool. C'est ce qui va me permettre
d'être un petit peu plus vue sur sur YouTube. Donc merci. Là. Donc, ma chaîne YouTube s'appelle le même nom, hein, Nini Stamp. Voilà, maintenant on va pouvoir coller. Alors à part celle-ci que je ne vais pas coller, mais voilà un petit peu ce que ça donnerait. Je ne vais pas la coller parce que j'ai fait une belle tâche. Du coup, je la referai. C'est pas grave. Et là, je vais coller les autres. So. Je fais attention de ne pas écraser mes tâches. En voilà une de collée. Alors ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme de bloc. Je sais qu'il existe des blocs ronds, par exemple. Ça peut être super sympa. Ça peut être avec des carrés, ça peut être avec trois couleurs différentes. Ça peut être... Voilà, vous pouvez vraiment vous faire des fonds super sympas. Moi, je suis partie sur vraiment un fond central, mais on pourrait jouer avec différentes tailles. Et différentes superpositions aussi, ça peut être sympa. Vous voyez, on prend un comme ça, un comme ça. On avait les petits avant Léa, par exemple, ça peut être très 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 sympa. Donc j'appuie pas trop parce que j'ai mes paillettes qui sèchent. Zou, voilà. Alors je vais finir ces deux-là du coup, puisque là j'ai des tâches. Je vais aller mettre mon petit papillon. Donc là, je ne m'embête pas, juste un petit peu de colle au milieu et je le positionne. Tac. Pareil pour le rose. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle promo du mois de juillet, là, qui est juste exceptionnelle? Si vous achetez pour 60 euros d'achat ou par tranche de 60 euros d'achat, vous gagnez un bon d'achat de 6 euros à utiliser le mois prochain. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est une superbe opportunité de se faire plaisir le mois prochain avec 6 euros de réduction. Donc, Stampin' Up nous gâte en ce moment, hein. On a eu une belle promo au mois de juin sur les lots, sur les machines. Là, on a 6 euros de réduction pour le mois prochain. C'est vraiment que du bonheur. Donc merci Stampin' Up. On aime se faire plaisir, mais on aime surtout les réductions, non? Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'il y a quelque chose qui vous plaît, c'est le moment de se dire, eh ben mon achat de ce mois-ci va me permettre de me faire plaisir encore le mois prochain. C'est cool. Alors là, je vais aller mettre mes petites perles. Hop. Mes petites perles, je vais en mettre une ici. Une ici. Et une, pourquoi pas, par là. Et là, je vais prendre les roses. Une petite. Et hop, voilà. Voilà pour cette petite carte qui était très rapide à faire. Vraiment, aucune... Ce n'est pas complexe du tout. On est vraiment sur quelque chose qui s'adapte à tous les niveaux. Là, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est chouette. Moi, j'aime les choses sympas comme ça, qui changent un petit peu et en plus rapides, rapides à faire. Je suis en train de chercher mon idée de club pour mes clubs Incolor ce mois-ci, celles qui participent tous les mois. Et je cherche une nouvelle idée. Voilà les filles. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour utiliser votre matériel autrement peut-être. À partir d'un bloc acrylique. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous refaites cette carte, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vais faire un post pour partager la photo. C'est vrai que je n'ai pas mis celle de la semaine dernière. Mais ce n'est pas grave. Ou sinon, vous me les envoyez comme a fait Christine l'autre jour. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas, si vous refaites, à me montrer. J'ai hâte de voir un petit peu vos interprétations. Donc, je vous montre juste de plus près Jolie Rose. Alors, elle paraît pas du tout pareille à la caméra. Moi, elle a plus de couleurs que ce que vous voyez vous. Hop, là, on est... Ah, si, j'ai oublié de mettre les paillettes. Alors, je vous ai souhaité une bonne soirée, mais j'ai même pas fini. Non, mais c'est une honte, c'est une honte. Je n'ai pas fini de travailler. Je n'ai pas mis ce que j'ai fait sur les autres.
Un petit peu de paillettes, c'est pas grand-chose, hein, mais bon, vous savez que j'aime ça, le Wink of Stella. Hop, voilà, j'avais oublié mes petites fleurs. Alors, il faut faire attention, j'ai fait du Memento. La Memento, c'est une encre à eau. Si jamais je vais après dans le jaune, par exemple, dans le papaye, dans le pétale, ah, dans le pêche, pardon, je vais mettre du noir. Donc, faire attention après d'aller un petit peu nettoyer sur un bout de papier la pointe de votre pinceau. Voilà, c'était ça qui manquait, les filles. Eh bien, voici les deux et demi, les deux qu'on a faites ce soir. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on les voit, les paillettes. On les voit, on les voit. Super. Donc, voilà un petit peu. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour encore du partage d'idées, du partage de créativité. Ça fait deux petits lives pas très longs. Ça ne me ressemble pas. Mais c'est pas mal aussi. Allez, bonne soirée à vous. Amusez-vous bien. Et puis, à bientôt. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. À bientôt.